94. Ce soir, à Taquinons la planète. Donc, maman, est-ce que c'est la raté? Mais oui, est-ce que c'est la raté? Et en resserrant ainsi les taux sur les criminels de la contrebande, nous réussirons ainsi. Brett. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Taquinons la planète, un grand plaisir de vous voir. Eh bien, voici un solitaire qui passe toujours une boîte de Kleenex à la Saint-Valentin. Mais est-ce bien parce qu'il a pleuré? Jacques Chevalier Longueuil! Oui! Manque de l'art! Bonsoir, Jacques! Bonsoir! Ça va bien, en forme? Alors, ce soir, c'est la Saint-Valentin. Alors, c'est quoi ton programme ce soir? Une petite visite derrière les portes battantes de ton club vidéo? Ben, peut-être j'ai ben trop peur de te rencontrer. Non, à soir, j'ai un tête-à-tête avec Joanne Labelle. Non, c'est impossible, ça. T'as dit, j'ai un tête-à-tête avec Joanne Labelle. Non, écoute, Jacques, pense-y deux minutes. On peut dire une idylle, une rencontre, un rendez-vous amoureux, mais Jacques Chevalier Longueuil puis Joanne Labelle, là, ça sera jamais un tête-à-tête. Fais-toi-en pas. J'ai de la tête pour deux. Oh. Non, mais en plus, c'est probablement à soir, le grand soir. Oh, tu veux dire que c'est à soir que... Non, c'est à soir que... Elle passe le Shaggy ou Miss Clara. Ah, c'est bien, cette belle soirée. Oui, puis il n'y a pas juste moi qui s'est bien organisé pour la Saint-Valentin. Il y a aussi Raymond Baudouin. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tu sais, la semaine passée, le caporal Régent Saint-Gelais est allé voir le monde avec une pancarte qui disait insultez votre policier. Oui. Raymond Baudouin a fait la même chose avec une pancarte. Embrassez votre Baudouin. Ah, oh, et qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas terrible, il embrasse pas si bien que ça, puis il y a du poil sur la langue. Eh bien, on regarde ça tout de suite. Un beau moment de tendresse avec Raymond Baudouin. Ça vous tente de m'embrasser? Ça vous tente de m'embrasser, vous êtes Saint-Valentin? Non! Vous, madame, ça vous tente-tu, vous êtes Saint-Valentin, de m'embrasser? Non, vous, le canal, le chien, la taquineau, la Nathalie Petrovski, bien, messieurs. Ah oui, ah oui, ben oui, président. Ah oui, c'est bien. C'est là, ouais. Tu es comme les Holden. T'es d'accord là? Ça va bien? Ça va-tu mieux là? Oui, ça va bien. Ok, merci beaucoup. Qu'avez-vous aimé ça? Ça vous a fait du bien? Non. Ça vous a pas rien apporté chez le plan personnel? Ben moi, ça m'a rapporté pour 8 feux sauvages! 8 feux sauvages! Étayez-moi quelqu'un! Tu vas embrasser juste par les femmes? Ben oui, c'est sur les hommes aussi, c'est possible. Ah oui? Ouais. Tu veux même pas? Salut le monde! Écoutez, Mme Bombardier, là. Mme Bonnie Bombardier, sortez de là, je vais vous embrasser, il n'y a pas de problème. Non, pas d'affaire de. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, là? Écoute, là, je t'ai demandé de m'embrasser, là, pas de donner la fille sauvage. Pense, ma chanette, pancarte. Bonjour, madame, le carotté, ça va voir super bien. Ça vous tente-tu de me pierre-illoté? Regardez, belle pancarte. Pierre-illoté, votre beau doigt, ça vous tente-tu de me pierre-illoté? Ça va donner quoi, ça? Alors ça, c'est quoi qui est... Regardez, Pierre-Éliott et moi. Non. Ben, c'est ça que j'aurais aimé ça que l'autre s'est dit ça aussi. Hein? Allez, regardez, j'ai envie de pancarte, ça vous tente de me croiser? Oh, boy! On s'est compris? J'ai changé de pancarte! C'était la pancarte! De retour à studio! Eh bien, OK! Merci beaucoup, Ramon! Mets ça à ta place. Eh bien, à la Saint-Valentin, il n'oublie jamais d'offrir un gros bouquet de fleurs à son cheval, Dave H.
bonsoir, Dave. Yeah, it's Anna Randis. Oh, un coup de poilon en des vaches. Hein? Alors, Dave, qu'est-ce que t'as acheté comme cadeau pour la Saint-Valentin? Well, hell is Ryan. Commandite par Chavus, OK? No money, no candy, hey, gas for man. Comment ça, t'as plus d'argent, toi? Well, bad lord. Ouais, mais c'est vrai que t'es ici depuis septembre, hein? Puis je comprends que. T'es arrivé touriste. T'es arrivé touriste, puis là, t'as tout nu, c'est ça? Yes, Anna Randis, I'm a chosen job with Revire. Tu cherches une job? Right. Ah, ben t'auras pas de misère, toi qui es bilingue. Mais quoi que t'es bilingue dans une seule langue, là, ça va te prendre un mot du bon CV. Well, just a minute, j'ai fait un CV vidéo. Un CV sur vidéo? Yeah, c'est original, si on regarde ça tout de suite. Random Sonicators. Oh, Jillian. Well, yep. Oh, now getting hard of setting on a gear. World is on a mad lord of battle. Random set of guiders. Champions are a foggy. Brett's. Well, God's riding on the battle. That's it here. Oh, boy, God's riding more than satin. Oh, boy, God's riding more than satin. Random set of guiders. Champion of Boulder. Well, bored and satin on a gear. Scrittle of umbrellas. What's the reckon? Random set of guiders. Guiding the duel. Oh, 10 minutes, Morgana Collie. 10 minutes, Morgana Collie. 10 minutes, Morgana Collie. Oh, boy, chance of a lottery. Jabbin, bazoin, and job. To crash was fallout, Seuss. Jabbin, bazoin, and job. Maverick, Lago. To cap a ball, liver, glove, basso. And liver, there's a soul. To cap a ball, the passer, last provider. And the passer. De la musique moderne. Il existe un autre Raymond Beaudoin dans le monde, mais il n'a pas la même méthode. Ici, là, Raymond Beaudoin, là, quand est-ce qu'on prend... Ben oui, les jeux de Lil Hammer, le concept, j'ai pensé à ça. Ouais. Eh ben voici le seul fan des Beatles qui pense que Yellow Submarine, c'est un magasin de souliers qui vend des gougounes en sandwich, Bob Binette! Bonsoir, Bob, ça va bien? Bon, toi, bien. Hey, il paraît qu'il est arrivé quelque chose d'assez hot cette semaine. Ah, oh, parle-moi tant pas. T'es cassé du haut, bien tranquille. T'es en train de changer la litière sur mon crucifix. Ouais. Le manet. Le téléphone sonne. C'est le bruit du téléphone, c'est pas le bruit de ta porte à dents? Ça sonne de même, c'est le téléphone. Ouais. Fait que là, j'ai pas un dos de Bob, il dit, les Beatles, ils veulent rien savoir de David Schwederman, Nathaniel. Il dit, il avait tout fait une entrevue avec toi. Ben, j'espère que t'as dit oui. Mais t'es moi des Beatles, j'étais fan de d'autres depuis Todo, à peu près. Ouais. Et comment est-ce qu'ils sont en personne? Ah, ça ressemble pas pantouf. Non, les Beatles, premièrement, ils étaient deux. Ça ressemble pas à quatre. Deux affaires différentes.
Et en plus, c'est qu'ils sont le plus dur à connaître. Avant, ils avaient les cheveux, ils avaient une coupe gnochonne, un peu comme de Tony Simard. OK, oui, oui, oui. Tu connaissais bien plus, okay. Facilement, bien plus. Ben oui, hein, là, mais c'est lequel des deux Beatles que t'as interviewé? Et t'as devié les deux qui sont encore en vie, là. Non, mais écoute, je m'excuse pas, mais il y en a juste un de mort. Ben, tu sais pas, toi. Il y en a peut-être un qui est en train de prendre un accident de char, là, puis on ne sait pas. C'est vrai, oui, oui. Quand on ne sait pas, là, on ferme ta gueule. Bon, ben on regarde ça tout de suite, mon cher Bob. Super! Vous autres, les Beatles, là, comment ça a commencé votre groupe d'humoristes? Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais nous ne sommes pas les Beatles et encore moins humoristes, bien que nous connaissons tous les deux la blague de Pet puis Répète. Ouais, super Pet et super Répète et super chouette, quoi, super bateau, quoi, Répète. Mais si vous n'êtes pas les Beatles puis vous n'êtes pas d'un groupe d'humoristes, là, qu'est-ce que vous êtes, mes deux bâtards? Boy, je me rappelle plus. Merde! Ah voilà, je l'ai, nous sommes les Rolling Stones et nous faisons de la musique, c'est ça, oui, les Rolling Stones. Ouais, lui c'est Rolling et moi c'est Stone, super Stone quoi. Ouais. C'est drôle, ça me dit rien, les Rolling Stones, ça. Avez-vous fait des tunes connues, vous donc? Eh ben, ça dépend ce que vous entendez par tunes connues, en tout cas, moi, je les connaissais. C'était cœur, hein? Ben, je te remercie, Bob, c'est très flatteur. Non, tu te parles du dernier disque de Patrick Normand, t'étais cœur, hein? Hein, t'es... Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, ouais, mais super chaussure, hein, super chaud, quoi. Tu t'es pas gêné? Non. Tu te plus. Non, t'as-tu marché dans ma bouche, toi? Ouais, j'ai super odeur, quoi, super bon, j'ai mal, super pu, quoi, super. Mais ne fais pas attention à Kid, Bob. Après tout, ce n'est pas très grave. On s'habitue vite à l'odeur et en plus, ça vous donne un petit buzz. Mais parlant de buzz, Mick, bah t'as donné un, mais c'est un buzz. Mais t'es hypnotisé. T'es pas paille, ton dos. Tu vas compter jusqu'à toi, puis à toi, tu vas te prendre pour un chien. D'accord. Un, deux, trois. Ouf, ouf, ouf. OK, réveille-toi, Mick. Wow, je me sens tout drôle. J'ai envie d'une bande fontaine. C'est bizarre, non? Bon, en terminant, Fido, t'as-tu un conseil à donner aux spectateurs qui vont voir ton show? Eh bien, je crois que les jeunes doivent faire attention, car en spectacle, j'utilise ma voix à son maximum. Et je ne supporte aucune cigarette dans la salle. Ouais, tout un splash. Ouais, c'est vachement un type splash, quoi, vachement Et merci beaucoup, Mick. De rien, voyons, c'était superbe. Et merci mille fois, Mick. De rien. Oui, merci trois fois, mettons. Le go, Max. Trois fois, il se passe super beaucoup. Ça t'en ressemble pas tellement, ça, de faire une entrevue, te lever, puis de sauter sur Keith Richards. C'est pas ton genre. Non, d'habitude, je fais toujours une double vrille, du salto arrière, puis du flip. Ouais, ouais, mais tu devrais comprendre quand même que les Rolling Stones, c'est un des plus grands. Je vous ai vu, ça en dit pas de poste, là. C'est juste un petit problème technique, ça sera pas long. Grouillez-vous! Bon, prenez-vous un chip en attendant, ou une liqueur, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu ferais bien? J'ai une idée! T'es une trampoline. Bon, qu'est-ce que tu feras bien, donc? Ah, tenez, je te poser une devinette. Quelle différence qu'il y a entre un policier et un boomerang? Le policier, quand tu tires, il revient pas, lui. Bon, qu'est-ce qu'il se posait pas? J'en ai une pour toi, Binette. C'est quoi la différence entre une grenouille et une cheminée? Je sais pas. Ben, la cheminée, elle explose pas quand t'as fait fumer. J'en ai une, moi, Bob, là. Ouais. Sais-tu pourquoi Dieu a pris 6 jours pour créer le monde? Non. Ben, parce que c'est juste ça qu'il manquait pour avoir son chômage. OK, donc, hein, Binette, tu sais quoi la différence entre un pitbull et un traction aid? Non. Ben, un traction aid, il te saute pas d'en face quand t'ouvres ta valise. Non!
Oedipus Rabbit, some of the battle. Oedipus and battle, King Rose and battle. La connais, celle-là, on la connaît, bâtard. Yeah! Hey, c'était-tu le vrai des vaches? Tu t'es mis à personne! Oui, hey, quelle différence y a entre une souris pis un briquet? Faut pas être fou, là. Ben, la souris, elle marche pas mal moins bien quand t'as rempli de gaz! Oh, quelle différence y a-t-il entre Trudeau pis une cicatrice? Trudeau pis une cicatrice, je sais pas. Ben, la cicatrice, tu la traînes jusqu'à ta mort, pis Trudeau, ben, tu la traînes jusqu'à ta qui meurt. Ah! Ah, j'en ai une, mais quelle différence y a entre un string pis Michel Louvain? En tout cas, s'il y en a une différente, il y a rien que toi qui connais certain. OK, donc, sais-tu c'est quoi la différence entre un urinoir pour chien pis Jean Doré? Aucune idée. Ben, l'urinoir pour chien, il sert à quelque chose, lui. Hey, quelle différence y a entre une moufette pis Pierre-Éliott Trudeau? Moi, j'en vois pas, mais il y en a sûrement une. Ben, la moufette, quand ta voix est écrasée sur le bord du chemin, t'as de la peine! Oh, ça me fait penser, c'est quoi la différence entre un nid de poule pis Daniel Johnson? Tu vas me le dire? Ben oui, le nid de poule va être encore là l'année prochaine. Allez, non, gay, non, gay! Quoi? Quelle différence y a entre une bouteille de liqueur pis un anglais? Je sais pas. Ben, la bouteille de liqueur, quand elle est vide, elle vaut encore 10 cents, elle. Monsieur Parizeau! Monsieur Binet! Pitou, 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 pitou! Quelle différence y a entre Jean Chrétien et des cigarettes? Ben, dis-moi-les! Il y en a pas, ils sont tous les deux plus vendus que jamais. C'est Parizeau! Ben oui, c'est ça! Hey, j'en ai une, moi! Le gars, il arrive! Wow, ça va faire les niaiseries! Je vais vous en conter une blague, bande de minables! Allez-y, Monsieur Trudeau! C'est quoi la différence entre un homme du peuple pis moi? C'était bon. Ben, l'homme du peuple, il ferait jamais ça, lui. Oh, tiens! C'est là, on est bon de là. T'es plus de... Hé, hé, Justin, viens m'aider. Merci, on a l'air. Salutations à celle de Passepartout. En espérant que cet incident technique ne vous a pas trop dérangé, restez avec nous après la pause. Gilles Robidoux taquine Jean Chrétien et son discours et leur sert toute une correction. On revient après la pause. No joke, le gars, il arrive au dépanneur. Baudouin, après tout ce qui s'est passé, on pourrait pas faire la paix. Comment on fait ça? Comme ça. Bande de tête. Moi, je te dis, les Robidoux, j'ai renverrais tout dans le pays. Eh bien, si mon prochain invité était premier ministre du Canada, il abolirait toutes les taxes sur le poil artificiel. Ginette Robidoux, mesdames et messieurs! La bobotte! Yeah, la bobotte! Robidoux, bonsoir Robidoux, ça va bien? Bonsoir, oui. Alors mon cher Robidoux, depuis qu'ils ont aboli les fameuses taxes sur les cigarettes, là, est-ce que vous fumez plus? Je comprends, juste cette semaine, j'ai fumé 40 cartons. 40 cartons? Vous avez dû maigrir? Ben non, j'ai pris 20 livres de goudron dans mes poumons, là. 20 livres de goudron, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ben là, cet été, ils vont me faire enlever un poumon, puis avec le goudron, me refaire la toiture de ma maison. Franchement, Robidoux, c'est pas un exemple à donner aux jeunes, ça. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Les jeunes, essayez pas une toiture. Restez sur le driveway ou une cabane à chiffres, commencez. Mais, finalement, mon cher Bido. Hey, Pierre! Qui a-t-il, mon ami? Je regarde l'émission depuis le début de l'année, puis je t'ai dit que je passe pas souvent. Eh bien, c'était mon plus amusé. Et finalement, mon cher, c'est tout un retour à la télé, ça. Agressé, mais ça. Finalement, mon cher Robidoux, est-ce que vous trouvez que Jean Chrétien a pris une bonne décision d'annuler la taxe sur les cigarettes? Ben, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il a refilé le problème de la contrebande en Ontario. Okay. Mais ce qui est plate, c'est le discours qu'il a fait quand il a annoncé la nouvelle. T'es-tu tanné de m'entendre? Non, ça va. Ben, heureusement, son discours, je l'ai illustré avec des images, puis c'est pas mal plus winner de même. Mais regarde ça! Ginette Robidoux présente le discours illustré de Jean Chrétien. Discours d'aujourd'hui, l'abolition des taxes sur les cigarettes. Il s'agit d'un problème très complexe qui touche à la fois l'application des lois et le crime organisé, la santé et les relations fédérales-provinciales, et même les relations avec les peuples autochtones. Ce n'est pas une question de droite, question de gauche, de francophone ou d'anglophone, d'autochtone ou de non-autochtone.
Le gouvernement accroîtra sensiblement le nombre d'agents de la GRC et de douaniers affectés à la lutte à la contrebande. Le ministère de la Justice intentera davantage de poursuites et appliquera pleinement les dispositions de la loi sur les fruits de la criminalité. La GRC et les autres corps de police axeront leurs ressources sur les principaux acteurs de la contrebande, le crime organisé. Les criminels n'auront plus d'endroit où chercher refuge. Pas question au Canada de zones interdites aux autorités. Notre pays n'a qu'une loi qui s'applique à tous les citoyens, sauf moi, et dans toutes les localités. Me semble. Et en resserrant ainsi l'étau sur les criminels de la contrebande, nous réussirons ainsi à perturber le trafic illicite des drogues, je gage. Des drogues, des spiritueux, des armes à feu, tout comme celui du tabac. Cela facilitera beaucoup l'action policière, puisque les cigarettes de contrebande seront très faciles à reconnaître. De plus, nous mettrons en œuvre de nouvelles initiatives pour atteindre les familles, les nouveaux parents et les autres qui servent de modèle de comportement aux enfants. Bon, on va aller me chercher 2-3 cartons de cigarettes à Noël, moi là. Ouais! Gilles Robidoux et Steve, discours illustré, mesdames et messieurs, bientôt dans tous les clubs vidéo. Eh bien, c'est tout pour Taquinon. Ne manquez pas le concours Taquinon la Golf. Le coupon de participation est dans le TV Hebdo. Et ce soir, en ce soir de la Saint-Valentin, ben, si vous faites l'amour, appelez-moi. Moi, ça, moi, ça. Bonsoir et à la semaine prochaine! Et puis, Joanne Labelle, là, ça sera jamais un tête-à-tête. Fais-toi-en pas. J'ai de la tête pour deux. Oh. Non, mais en plus, c'est probablement un soir, le grand soir. Oh, tu veux dire que c'est à soir que... Non, non, c'est à soir que... Après, c'est le Shaggy ou Miss Clara. Ah, bon, c'est bien, ça fait une soirée. Oui, puis il n'y a pas juste moi qui s'est bien organisé pour la Saint-Valentin. Il y a aussi Raymond Baudouin. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tu sais, la semaine passée, le caporal Régent Saint-Gelais est allé voir le monde avec une pancarte qui disait insultez votre policier. Oui, 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 oui. Raymond Baudouin a fait la même chose avec une pancarte. Embrassez votre Baudouin. Ah, oh, et qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas terrible, il embrasse pas si bien que ça, puis il y a du poil sur la langue. Eh bien, on regarde ça tout de suite. Un beau moment de tendresse avec Raymond Baudouin. Ça vous tente-tu m'embrasser? Ça vous tente-tu m'embrasser, vous êtes un Valentin? 94! Ce soir, à Taquinon la planète. Donc, tu m'embrasses de Saint-Valentin? Eh oui, c'est de Saint-Valentin! Et en resserrant ainsi l'étau sur les criminels de la contrebande, nous réussirons ainsi... Brett. Messieurs, bienvenue à Taquinon, la planète, un grand plaisir de vous voir. Eh bien, voici un solitaire qui passe toujours une boîte de Kleenex à la Saint-Valentin, mais est-ce bien parce qu'il a pleuré? Jacques Chevalier-Longueuil! Bonsoir, Jacques! Bonsoir! Ça va bien, en forme? Alors, ce soir, c'est la Saint-Valentin. Alors, c'est quoi ton programme ce soir? Une petite visite derrière les portes battantes de ton club vidéo? Ben, peut-être j'ai ben trop peur de te rencontrer. Non, ce soir, j'ai un tête-à-tête avec Joanne Labelle. Non, c'est impossible, ça. T'as dit, j'ai un tête-à-tête avec Joanne Labelle. Non, non, écoute, Jacques, pense-y deux minutes. On peut dire une idylle, une rencontre, un rendez-vous amoureux, mais Jacques Chevalier-Longueuil... Ben, apporté, j'ai le nom personnel. Ben, moi, ça m'a rapporté pour 8! Feu sauvage! 8 feux sauvages! Éteignez-moi quelqu'un! Tu vas embrasser juste par les femmes? Ben oui, bien, c'est sur les hommes aussi, c'est possible. Ah oui? Ouais. Tu veux même pas? Salut, le monde!
Écoutez, Mme Bombardier, là. Non, Mme Benise Bombardier, sortez de là, je vais vous embrasser, il n'y a pas de problème. Non, 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 pas d'affaire de. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, là? Écoute, là, je t'ai demandé de m'embrasser, là, pas de me donner la feuille sauvage. Là. Pense, ma chère, être pancarte. Bonjour, madame. Le carotté, ça va voir super bien. Ça vous tente-tu de me pierre-illoter? Regardez, belle pancarte. Pierre-illoter, votre beau doigt, ça vous tente-tu de me pierre-illoter? Ça va donner quoi, ça? Alors, ça, c'est quoi qui est. Regardez, pierre-illoter-moi. Bonjour, madame. Ça vous tente-tu de Saint-Valentin de m'embrasser? Vous, le canal, le taquineau, la planète. Oh, Nathalie Petrovski, bien, messieurs. Ah oui, ah oui, ben oui, vas-y donc. Ah oui, c'est bien. Et là, ouais. Tu connais Holden? T'es d'accord là? Ça va bien? Ça va-tu mieux là? Oui, ça va bien. Ok, merci beaucoup. Quand vous aimez ça, ça vous a fait du bien? Non. Ça vous a pas...